Officier, sous officier. Brigadier des chefs, brigadier des trompettes, les hussards parachutistes, personnel civil du premier régiment de hussards parachutistes. Le colonel Aubenier achève aujourd'hui un entraînement en tout point remarquable. Mardi, outant, à de nombreuses positions intérieures et extérieures, que par une volonté constante d'accroître les forces morales et les capacités opérationnelles de votre régiment. Dès son arrivée au premier hussard, il s'est investi pleinement dans la mise en condition avant projection du bataillon qui s'appelait à partir au Liban. À sa tête, il a été projeté en septembre 2014 comme commandant de la force commandant de réserve de la force intérimaire des Nations Unies au Liban dans le cadre de l'opération d'Amant. Les excellentes relations qu'il a entamées avec les sons stratégiques, avec les interlocuteurs locaux, et l'énergie qu'il a insufflée au contingent précieux de ses ordres lui ont permis de réaliser un mandat exceptionnel. En métropole, il a fait preuve du même enthousiasme que le comité, exigeant et attentif. Il remporte l'adhésion de ses coordonnées par son charisme et sa chance. Dans un contexte où l'opération centenaire occupe une place très grande, il est parvenu à maintenir la capacité opérationnelle de son régiment dans le cœur de son métier, que ce soit au travers d'exercices en terrain libre, d'évaluations opérationnelles ou de campagnes de tir. Réaliste et ingénieux, il a su mettre en œuvre des solutions novatrices pour adapter son régiment à cette nouvelle situation sécuritaire. Commandant le major tactique de Paris pour l'opération centenaire de mars à mai 2016, il s'est encore distingué par sa capacité à prendre du recul et à trouver des solutions pragmatiques pour améliorer les conditions d'exécution de la mission. Avec la même intelligence de situation, il a remarquablement compris la manœuvre de recrutement intense dans laquelle est engagé votre régiment. Toujours mieux par un souci d'équilibre, son investissement et sa volonté permet la création du 5e escadron de l'armée. Dans un environnement sain et valorisant, et à participer au rayonnement de l'armée de terre. En conviction doté d'un grand courage intellectuel, il a obtenu des résultats élogieux, faisant l'unanimité par les autorités civiles et militaires. Mon cher Manon, vous pouvez être fier de travailler avec lui pendant ces deux années à la tête des hussards de Berchemin. Par votre investissement total, votre sens de la mesure et votre indéfectible loyauté, vous avez maintenu votre régiment au sein des meilleurs. Soyez ici félicités et remerciés pour votre action. Je vous souhaite une bonne météo pour l'avenir. Et ne doute pas que vous serez transmis aux stagiaires de l'école des guerres votre part d'expérience et vos réflexions sur le métier des armes avec exigence, pertinence et bienveillance. Je souhaite au lieutenant-colonel Rondet de vivre pleinement son premier commandement à la tête de ce magnifique régiment. Toujours prêt à faire face à toutes les situations, en tout lieu et en tout temps. Je sais qu'il saura mettre en fonction son expérience et ses multiplicités pour écrire une nouvelle page de l'histoire du premier régiment de hussards parachutistes et son plein d'urgence de la brigade parachutiste. Je félicite enfin vivement ceux qui ont été décorés au cours de cette histoire. Je souhaite ici saluer leur comportement remarquable en opération ou leur dévouement exceptionnel au service de la France. Officiers, sous-officiers, brigadier-chef, brigadier, trompette et hussard parachutiste. Personnel civil du 1er régiment de hussards parachutistes.
de par le président de la République. Vous reconnaîtrez désormais votre chef, le lieutenant-colonel Rondet, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera. Pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Fermez le ventre. Reposez. Oh. Du 1er régiment de hussards parachutistes, rejoignez votre garde.